t'attendais à quoi? 78 matchs qu'on perd depuis le début de l'année, tu t'attendais à quoi? Malheureusement, c'est tombé sur vous. Fallait pas être là. Fallait vous mettre sur le bas-côté, attendre. Alors, qui a vu le match? Je veux pas reposer 15 fois la question parce qu'on a beaucoup de choses à nous dire. Qui a vu le match? Alors, avant de savoir qui a vu le match et de se manifester, je tiens encore une fois à réitérer mes excuses suite au planning nonchalant de ma part vis-à-vis des débriefings. Vous l'avez compris, malheureusement, je travaille très souvent lorsque les matchs du Paris Saint-Germain sont diffusés dans la télé RCN ou sur Internet, ce qui fait que je ne peux point vous faire de débriefing. Excusez-moi, restez connectés, mettez la cloche au cas où, si le miracle fait que je sois là. Et là, je suis là, là, je te demande de te manifester pour débriefer la victoire du Paris Saint-Germain 0 à 3. Voilà. C'est pas 0 et puis on a battu 3. On a mis 0-3 à Marseille. Là-bas, nous sommes aujourd'hui dans la climatisation. Il fait froid. On a mis le... Appelez-nous Whirlpool. Voilà. On a mis l'équipe de Marseille dans un congélo Whirlpool. Bosch, qui tu veux. Voilà. Merci Hugues pour les étoiles. Je te fais des bisous. Calin, on va bientôt zouker ensemble. Alors, avant d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, merci. Merci Neymar pour tout ce que t'as fait. Tu aurais pu être l'un des plus... Je dis, écoutez bien ce que je vais dire. Neymar avait le potentiel de Sangwan face à scène. C'est-à-dire être le meilleur et de loin. Tu avais tout. La technique, la vista, la vitesse, le frappe de balle. Tout, vous saurez tout sur le zizi. Tu étais un zizi dur. Mais maintenant, tu as 30 ans. Prends ton fine rupture conventionnelle et va voir ailleurs si nous y sommes. Parce que là, tu n'étais pas là. C'était un menu équilibré. C'est-à-dire qu'il y avait des carottes, il y avait de la salade, il y avait de l'eau. Il y avait des féculents à basse concentration, des protéines, du tamarin. C'était un menu, c'est la première fois que je revois un trio Ruiz, Vitinha, Verratti, j'ai bandé. Oh, c'est un milieu de terrain qui m'a donné le zénur. J'ai pas vu ça depuis Verratti, Matuidi, Thiago Motta, Fabian Ruiz, mais fallait nous prévenir. Parce que moi, je t'ai vu à Naples. Je savais que t'étais un bon joueur, mais là, c'était une masterclass. Là, tu étais t'étais l'évolution de Thiago Motta. Un Thiago Motta capable de se projeter vers l'avant. Combien de balles t'as récupéré sur le vieux port, Fabian? Mais qui es-tu? Et puis, la connexion avec Vitinha, c'était d'une insolence. Neymar est blessé puisqu'il fait des soirées à Boujaval, hein, si vous êtes voisin d'ailleurs là-bas, du côté du 78 ou 92, je sais pas où est cette ville où il fait des fêtes tous les week-ends, et qu'il n'est pas en forme physique et qu'il se blesse toutes les 5 minutes à faire des call-off toute la nuit, et à danser la samba avec sa mère là-bas, connard. Et ben là, frère, un équilibre dans l'équipe. Oh putain, même Messi, tu peux marcher. Mais marche, promène-toi. Mais c'est-à-dire que nous avons 9 joueurs qui défendent corps et âme. 2 pistons, 3 défenseurs, les 3 milieux, un gardien qui était connecté. 2 arrêts décisifs, c'était un bon match de football. Et Marseille qui a joué au football en plus. C'était pas comme si c'était des connards. Ils ont essayé, mais ils ne pouvaient point. Et après, j'entends, oh, Chancel, Memba n'était pas là. Ben oui, ben nous aussi, Neymar, il n'était pas là. T'as compris la satire de ma phrase? Voilà. Alors, nous sommes dans une conjoncture où Christophe Galtier fait jouer Kimpembe, Marquinhos, Ramos ensemble. Kimpembe se blesse très rapidement, fait rentrer Danilo.
Et je pense que nous avons le meilleur PSG de la saison 2022-2023 pour moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Jusqu'à dire que même Mukiele était beaucoup plus intéressant qu'Hakimi. Je te dis, c'était là. Tu fermes ta gueule et t'écoutes ce que je te dis. C'était mon meilleur PSG. Voilà. Même si on a mis des tollés avant la Coupe du Monde, c'était le plus beau PSG. C'est-à-dire que Verratti, Vitinha, Ruiz jouent pour Messi. Messi qui envoie Mbappé, qui nique la mère à tout le monde. D'ailleurs, il y avait un joueur qui était sur Mbappé, qui s'appelle Eric Bailly, joueur ivoirien. Je pense qu'il est en train de marcher actuellement et il y a de la semence qui coule en dessous de son... Non. Igor Tudor. Tu as mis ton joueur ivoirien dans une galère parce qu'il a décidé de faire un marquage individuel comme en 88. Parce que moi, je viens d'une époque où on faisait des marquages à la culotte. Mais je sais pas quelle culotte il a marqué, Bailly, mais c'est sa culotte qui avait une marque. Derrière lui, je te dis, il y avait une marque. Je ne veux pas savoir ce que c'était, si c'était du caca ou si c'était Mbappé qui l'a mis enceinte, mais il s'est trompé de culotte, Eric. Le pauvre, premier but, 25e minute. Il ne sait plus où est Mbappé. C'est-à-dire qu'il a tellement peur qu'Mbappé démarre en 5e qu'il décide de lui laisser de l'espace. Oh l'erreur. C'est-à-dire que on récupère la balle super bas, mais avec une élégance de champion du monde. C'est-à-dire que on proche, je sais pas si c'est Fabian Ruiz, Danilo qui envoie Vitinha dos au but, qui fait une talonnade à Messi. Messi qui élimine du coup sur cette talonnade de Vitinha tout le centre-ville de Marseille. Kylian est à gauche. Écoute bien ce que je te dis. Kylian est en train de sniffer la ligne de touche. Parce qu'il a été très malin, il a dit, puisque Bailly fait une marquage à la culotte, enfin, je sais pas s'il marque sa propre culotte ou pas, il ne me voit plus. C'est-à-dire que Bailly est sur le ballon, en train de regarder Vitinha, en train de faire une masterclass de talonnade pour Messi. À ce moment-là, Mbappé prend la formation, il n'est plus suivi à la culotte par Bailly, il le prend dans son dos. C'est-à-dire que Bailly regarde là-bas, et il voit un truc passer comme ça, mais tellement vite, frère. C'est-à-dire que ça allait tellement vite. Je sais pas si Kylian Mbappé a départ sur le TGV Inouï, si c'est lui le propriétaire, mais il a laissé Mbailly à Aix-en-Provence, lui, il était déjà à Metz. Donc, Messi voit le TGV arriver, il le met dans la profondeur, Mbailly qui a loupé le train, il est mort, face à leur gardien, il croise 1-0, mais je te jure que Igor Tudor t'a mis un ivoire et il a rien vu. Vraiment là, c'est une vanne facile, mais là, il a rien vu. Et comme ça, pendant 55 minutes, deuxième but, on a Nuno Mendes qui était face à notre Nuno. Il y a deux Nuno. C'était en fait, ils ont mis Nuno Tavares gaucher à droite face à Nuno Mendes qui lui a tout fait. Il lui a fait vraiment des pâtes, il lui a fait du riz, il lui a fait même des hamburgers, des fricandelles. Je sais pas si tu connais les fricandelles. Il lui a tout fait défensivement, offensivement. Il a tout fait Nuno Tavares. Et à un moment donné, il y a Nuno Tavares et Eric Bailly sur le même côté. Face à Mbappé et Nuno Mendes en même temps, frère. C'est-à-dire qu'ils s'emmènent, ils font une aquarelle sur le terrain. Ils sont en train de couper le gazon. Ils tombent au sol, ils se relèvent, Nuno Mendes qui met en profondeur Mbappé. Mbappé sait plus si c'est marquage de bis. Ils sont en train de mourir sur le côté gauche. Mbappé, il y a Eric Bailly qui quand même il court vite, il revient devant lui, il dit attends, c'est toi. Je veux marquer ta culotte. Il dit ah, tu marques ta culotte. Tu marques ta culotte, bah ferme tes jambes, passe entre ses jambes à la Juan Riquelme, je sais pas si t'as connu Riquelme, une passe intérieure, la balle arrive, c'est-à-dire entre la mère de Paul Lopez et son père, c'est-à-dire que le gardien est déboussolé face à cette passe, puisqu'il y a ses parents, il croit qu'il y a ses parents sur le terrain, tellement c'est une hallucination de passe. Normalement, c'est Neymar qui fait ça. Mais comme Neymar, il joue à Call of, il peut pas faire. Donc Mbappé, il fait cette passe-là, mais s'il se trouve entre la mère et le père du gardien marseillais, il a juste 2-0. Et ça, c'est 4 minutes après le train, le TGV Aix-en-Provence-Metz. 2-0. Peu même temps. Monopolisation du ballon de nous-mêmes. Ils sont pas bien les Marseillais. Ils sont pas bien, ils essayent. Ils ont un coup franc à un moment de Alexis Sanchez à la fin de la première mi-temps, mais sinon, il n'y a rien. Deuxième mi-temps, pareil. C'est pareil. Ils souffrent.
À un moment donné, Nuno Tavares, il en a marre. Il part à droite, tu vois, il part à gauche, pardon, ou à droite, juste bref. Il s'expulse lui-même de Nuno Mendes. Une frappe de la tête d'Alexis Sanchez, Donnarumma fait un arrêt incroyable. Incroyable. On les tue. Et pour mieux les assassiner, eh ben, je t'ai dit. Maintenant, on a décidé de jouer avec les deux pointes. Messi, Mbappé, restez devant. Ne venez pas défendre. Restez là-bas. Et les comptes frères, c'est... Messi a fait une passe suite à un 1-2 avec Mbappé. Mais une passe. Et c'est encore Eric Bailly, le pauvre, qui marque sa propre culotte. Rien que Mbappé lui fait la passe. Messi a le temps de se retourner devant le maire de Marseille. Lui faire la passe, tu sais qu'il avait l'habitude de faire avec Jordi Alba à Barcelone. Bah oui, je pense qu'il était à... Soit il était à Youpougon, soit il était à côté d'Abidjan, mais il était pas à Marseille, il était autre part, frère. Il a passé un très mauvais moment. Je pense qu'actuellement, sa femme, s'il a une femme ou une copine, sont en train de demander le divorce. Et qui rentre à pied au centre de formation de Youpougon, parce que frère, là, t'as passé un très très mauvais moment. T'as pas été nul. T'as été un cobaye. Voilà. Tu dors à décider de faire de toi une comète, qui est le féminin de cobaye, puisque là, là, il a changé ton genre, là. Là, on est en plein dedans. Là, t'as changé de genre. On sait pas si... Hein, un maïs transgénique. Voilà, t'as compris? Comète, cobaye, transgénique, OGM. Donc, Messi lui met une passe, frère. Mbappé, pied gauche. Reprise de volée en une. J'ai cru en étant en finale de la Coupe du Monde. Ah, juste 3-0. Viens, on arrête de parler du match, parce qu'après, c'est un viol au milieu de terrain. Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti. Est-ce que, Christophe, tu as trouvé le trio gagnant? Est-ce que tu l'as enfin trouvé? Merde! T'as expérimenté? Continue comme ça. D'accord? Il y a Nantes là prochainement, après il y a le Bayern. Si t'as vu le même match que moi, t'es obligé de me faire jouer ces trois-là tout le temps. Tout le temps! Venez, on parle un peu nous-mêmes entre nous de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez vu. S'il y a des Marseillais qui peuvent parler là du ressenti qu'ils ont, parce qu'ils ont pensé que, après ce qu'ils ont fait, ils pouvaient le réitérer. T'as vu le tifo qu'ils ont fait? Ils ont une basilique là-bas, ils l'ont mis dans le stade. Mais nous repartons avec la basilique. Qu'est-ce que... Alors, venez, on parle un peu. Alors, j'ose, jouer, Selgi. Tu penses quoi du jeu sans Neymar? Frère, c'est tellement dommage pour ce joueur. Je te jure, il avait le potentiel de détourner tout le monde. Messi, tout le monde, je te le dis, c'est sans moi. Mais sans lui... Ça va plus vite. Quand il garde la balle, tu sais, cette demi-seconde de trop, c'est 2-3 secondes de trop, c'est 2-3 touches de balle. Quand il dribble vers l'arrière, il touche le torse de l'adversaire comme s'il avait des érections lorsqu'il voit un torse masculin. Les énervements quand le match n'est pas à son compte. C'est mieux. J'aimerais me tromper. J'aimerais que Neymar revienne et qu'il me fasse mentir. Connard de voyage véhicule. J'aimerais, mais ça fait depuis 1978 qu'on est là en train d'espérer autour de Neymar. Tout le temps, il fait exprès de se blesser en février pour jouer à la console et faire des soirées autour de la samba. On en a marre. Merci pour les bicyclettes, pour les coups francs, pour les passes dés, les accélérations, tout ça. Va rejoindre Cristiano en Arabie Saoudite. On t'attend là-bas. Va à Newcastle, on t'attend là-bas. Va à Brest, on t'attend là-bas. Moi-même, je te dépose à l'aéroport. Je te fais un blabla car. Je t'aide.
je viens déménager tes... Je viens. Tu sais, quand je te dis ça, je suis prêt à faire mon mea culpa. Cinéma revient, je le dirai. Moi, je ne suis pas un connard. Je dis les choses. Mais pour l'instant, prépare déjà tes valises. Rein Elma, Mbappé, pour toi le meilleur joueur du PSG, de l'histoire du PSG. Oh, toi aussi tu poses des cols bizarres, t'es un connard. C'est incroyable ce qu'il fait. Il a rattrapé Cavani en 4-5 ans, 4 ans. Là pour l'instant, on en a connu des grands joueurs, Ronaldinho, tout ça. Mais là, ce qu'il fait, déjà statistiquement, il est en train de dire que c'est le meilleur. Émotionnellement, mec, c'est phénoménal. J'attends la fin de saison de voir ce qu'il... Mais pour l'instant, il est en train de se présenter seul au podium. Hein. Rafik Almani, contre le Bayern, jouer comme ça, il passe pas le PSG. Contre le Bayern, jouer comme ça, le PSG, je comprends pas ta question. Qui ne passe pas, nous ou eux? Si on joue comme ça face au Bayern, c'est très compliqué pour eux. T'as vu l'intensité, t'as vu comment on a tapé dans leurs genoux? Comment Fabien Ruiz a fait du MMA avec les tibias des Marseillais? Sans provoquer de faute, il n'y a pas eu de carton jaune, frère. C'est-à-dire des coups, tu vois, la malice. T'as connu tenir la malice, toi? Toi, avec le Bayern, là, déjà, vu qu'on avait une équipe bancale, on a failli les emmerder dès que Mbappé est rentré. Là, dans cette configuration, qui peut nous battre? À part les fous du Real de Madrid qui je sais pas si c'est Jésus qui est dans leur équipe. Qui peut nous battre? Comme ça, là? S'il arrive à réitérer cette formule, comme ça, avec la même intensité, qui? À part le Real et Jésus, qui? À part Benzema et Vinicius, qui? Attention, hein, Rafik, hein. Juste... Ça fait des noms bizarres. Attends, je vais juste liker ton truc, là. Jess ou quoi? Heureusement que Kipembe sort, sinon on aurait pris des buts. C'est triste pour lui. Franchement, ça me fait chier. Il revient de blessure, il se blesse. Après, vous connaissez mon... Ce que je pense de Presnel. Danilo est plus intelligent et capable de faire le taf de manière plus régulière que Presnel. Donc, s'il est là, est-ce qu'il y a des... On concède plus d'occasions? Parce que les Marseillais ont quand même joué. Hein. Ils ont quand même essayé de jouer. Je sais pas. Mais je t'avoue que je suis plus rassuré quand c'est Danilo qui est là. C'est un fait. Mais c'est triste pour Presnel. On ne peut pas se réjouir de... Attendez, il y a un mini-quoi qui nous parle. Mais on vous... Attends, avant d'envoyer des messages, je dois lui répondre. Je vais lui mettre un like juste pour lui dire que c'est un mini-quoi. Mais on va vous attendre, frérot. C'est pas sûr pour vous. Bien sûr, c'est pas sûr pour nous. Vous restez le Bayern, hein? Les Moussiala, les tricheurs, les tout ça, là. Mais, frère, t'as vu le match, commence à péter dans ta culotte. Parce que si Christophe décide de... Je veux te dire, moi, ce qui m'a fait le plus kiffer dans ce match, au-delà d'Mbappé, qui, de toute façon, on est maintenant habitué, c'est le milieu. Putain, mais t'as vu la maîtrise. C'était... À un moment donné, je vois vers la 65e, c'est-à-dire que Marseille ne touchait tellement plus le ballon que j'ai cru que le stade allait faire des... Olé, 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 tellement c'était devenu... J'ai cru que nous étions dans le multivers. Donc... Nanou, bien sûr que le Bayern, c'est autre chose que Marseille. Mais il faut pas jeter la pierre sur Marseille. Même s'ils se sont fait dominer, tout ça. Ils sont pas deuxième du championnat pour rien. C'est pas des connards. C'est pas des figurants. Ils ont pas essayé de faire figurance. Mais à ce niveau-là, techniquement, intensitairement, c'est très compliqué pour n'importe qui en Europe de nous affronter, à part les tricheurs de Madrid et Jésus, là. Et Benzema et tout ça. Merci Jean-Pierre Clerc pour les étoiles. À part eux. Et Carlon Slutti. Et Karim Benzema. Et eux tous, quoi. Alors,
Dieu, Moliki, Raji, vous avez profité de l'absence de Chancel même pas. Et vous, vous avez profité de l'absence de Neymar, voilà. Toi, t'aurais été content de voir Neymar sur le terrain. Ça t'aurait bonifié. Eh ben voilà, chacun sa merde. Vous avez pas eu de chance. Nous aussi, on n'a pas de chance pour vous que Neymar était là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Lesnel, Zahir Emery pas mal. Mais oui, mais pas là, pas là, pas là. Non, pas en galère. N'allons pas lui inventer des postes pour dépanner. Oui. Mais Moukile, je sais pas, j'espère qu'il n'est pas sorti sous blessure. Zahir, il doit pas jouer là-bas. Zahir, c'est comme son pays, il doit jouer au milieu, au centre. C'est, tu vois, au cœur du jeu. Laisse-le pas là-bas, même s'il va vite, pour dépanner. Pour de temps en temps. Gustavo Munez, Messi, le numéro 1 mondial. C'est quand même une galère. Comment on peut être aussi fort en fournissant aussi peu d'efforts? Mais c'est un tricheur. Je le déteste tellement il est fort. Moi, je vous l'ai dit. Moi, je suis pour Ronaldo. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Il a fini le jeu, frère. C'est terminé. Nous ne pouvons plus communiquer avec ce mec-là. Même quand il fait un mauvais match, il a quand même fini le jeu. Il a terminé GTA 5. Il a fini toutes les missions. Même quand on fait des mises à jour, il a déjà fini avant que la mise à jour arrête. Ne parlons pas de lui. Ne parlons plus de lui. Plus personne ne peut communiquer avec lui. Son téléphone est éteint. Il est dans une autre galaxie. Il est en train de voyager dans les multivers. Comme la sorcière rouge, il s'amuse des fois. Ne parlons plus avec lui. Même quand je l'insulte, frère. Je l'insulte parce que je suis jaloux. C'est de la jalousie. Frère, la passe qu'il fait Mbappé. Mais on dirait qu'il est dans une cour de récré. On dirait qu'il joue avec nos mères. On dirait que c'est lui qui a inventé le foot. Il m'énerve. Il m'énerve, il va encore gagner un ballon d'or. 8! C'est pas trop, Léo Messi, 8! 8 ballons d'or! C'est trop! Calme-toi, tu m'énerves, en plus, il est dans mon équipe, il est trop fort, putain de merde! Mais c'est qui lui? C'est qui? Mais qu'il avait pas couru! Avec ce dispositif, laissez-le. Franchement, je chantais, j'ai même pas parlé. Il a pas couru, là. Des fois, le ballon, il passe comme ça à côté de lui. Il regarde le ballon. Il regarde le ballon, comme ça. Il s'en fout. Ben, moi aussi, je m'en fous. Si on a tous les autres, là, les neuf, là, qui ont... Et si tu vois, c'est pour ça, je pense que cette équipe n'est pas faite pour avoir que des superstars. Faut des gens qui charbonnent pour ces gens-là. T'as vu? Avec deux pointes haut et les neuf derrière, là. Tu vois, les neuf. T'as vu, Vitinha, je le répète encore une fois. C'est magnifique. Donc voilà, on a bien débriefé, j'ai bien parlé, ça m'a fait du bien, je vous fais des bisous. Si vous n'avez pas vu mon spectacle, il y a le lien qui est là dans la description. Là, je joue samedi 4 mars et le 11 aussi, donc on se fait des bisous.